Je sais pas si vous le savez, mais au fond de chacun de vous, il y a un artiste qui sommeille. Il y en a pour qui il est plus endormi que d'autres, mais il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on s'adresse à lui. Ça s'appelle l'artiste au fond de nous. Laissez-moi vous lire ce récit plein d'avenir d'un homme ordinaire. Voyant sa vie modeste comme une idée qu'on déteste, il se mit à peindre la terre. Devant son pinceau posé, le monde le plus beau et le plus immonde, la réalité ne se cachait pas pour lui. Il donnait sa perception de nos imperfections. La vérité se trouvait dans chaque trait. Chacun de nous peut se démarquer avec l'envie et la volonté. Au fond de nous vit un artiste endormi. Il attend que l'on s'adresse à lui. Il était un militaire dont le cœur était, paraît-il, en pierre. Obéir aux ordres et se taire. Par un danseur de ballet. Devant tant de grâce, il se trouvait doté de sensibilité. Il n'avait jamais songé à danser. Aujourd'hui son nom à l'opéra communique une telle aura qu'il n'est plus question de retourner au fond. Chacun de nous peut se démarquer trop aliénés. Le résultat n'est pas toujours à la hauteur, et l'important c'est d'être libre avec son cœur. Chacun de nous peut se démarquer avec l'envie et la volonté. Au fond de nous vit un artiste en mort. S'adresse à lui. Chacun de nous se démarquer avec l'envie et la volonté. Au fond de nous vit un artiste endormi. Il attend que l'on s'adresse à lui. Chacun de nous peut se démarquer avec l'envie et la volonté. Au fond de nous vit un artiste endormi. Il attend que l'on s'adresse à lui. Chacun de nous peut se démarquer avec l'envie et la volonté. Merci Jean Lépin. Au fond de nous vit un artiste endormi. Il attend que l'on s'adresse à lui.